Les amis, on est parti avec Théo, DHM, Build Battle sur Minecraft. Oh, merde, je suis tombé. Ça va les gars, tranquille? Ouais, ça va et toi? Ça va, tranquille, ça va, tranquillou les gars. Bon les gars, écoutez, cette fois-ci, on va tester vos capacités à construire sur Minecraft. Vous êtes fort maintenant, vous avez beaucoup joué à Minecraft. Ah, je suis devenu un monstre, je suis devenu un monstre de ouf. Non, c'est une dinguerie, Adam, arrête de voir, tout a explosé. Vous voyez le bouton juste en dessous, je vais appuyer dessus et ça va nous donner le thème. Nether. Oh, thème Nether les gars. Oh. C'est tout, c'est y a que fais voir la feuille, fais voir la feuille. Donne-moi la feuille. Thème Nether, frère, regarde. Feuille. Nether. Ah ouais, c'est écrit Nether là en bas. Et on a 20 minutes pour construire quelque chose à rapport avec le Nether. Let's go les gars, moi je vais de ce côté là. Allez, ciao. Let's go, let's go. Ok, moi je vais là. À toutes les gars, bisous. J'ai le prochain thème. Du coup, j'ai triché, j'ai fait exprès. Salut. Et je vais pouvoir préparer en même temps le prochain thème. Alors moi, pour ma construction, j'ai une très bonne idée, mais je vais quand même m'aider d'un exemple à côté de moi que j'ai envie de faire. Je crois que ça s'appelle le ghost. Non, le gas, un truc comme ça. C'est, vous savez, le monstre blanc. Ok les gars, du coup, on est bien de notre côté, tranquille dans le build battle. Bon, vous imaginez bien que moi quand je fais un build battle, c'est pour tricher. Aujourd'hui les amis, on va construire grâce à des schématiques, donc des trucs qui vont m'aider à construire plus rapidement, mais également je vais devoir créer une base secrète et passage secrète dans chaque construction que je vais faire. Et mon but, c'est que DHM et Théo en aucun cas ne trouvent mes bases secrètes. Ok, c'est parti. Putain, Nether. Ok, donc Nether, c'est les enfers sur Minecraft, bro. Si je fais rechercher Nether, sur quoi je tombe? Bah, en fait, c'est simple, hein. On va tout mettre là. On prend tous les blocs où il y a le nom Nether dedans. Étoile du Nether, brique, quartz. Vous allez voir, les gars, comment j'ai tellement step up. C'est une dinguerie, en fait. Ok, alors pour commencer, ce qu'il me faut, ça va être du blanc. On va taper blanc et on va prendre les meilleurs cubes possibles. Je pense que le béton blanc, c'est pas mal. Quartz du Nether. Ok, donc ça nous permet de faire du quartz comme ça. Parce que le thème, c'est Nether. Ça veut pas dire qu'on doit faire le Nether. Enfin, c'est logique, t'as vu. Bon déjà les amis, ce qui va se passer, c'est que vous voyez que là on est délimité juste ici. Donc il va falloir que je construise quelque chose plutôt rapidement. Pour remplacer le sol, ça va être compliqué. Donc du coup, ce que je propose, c'est que je vais prendre un petit bâton juste ici et je vais faire une commande, vous allez voir qui va m'aider. Slash slash brush, apply, sphère. Donc on va faire des sphères, vous allez voir, de taille 4, 7, et on va mettre netherrack. Et regardez les amis, si je fais ça, vous avez vu, ça construit des petites bouboules de netherrack. Et grâce à ça, on va pouvoir construire quelque chose de super joli, regardez. On va le commencer en hauteur, comme ça, si on va faire un truc en dessous, une décoration, bon, on peut la faire sans problème. Et le premier truc à faire, les gars, ça va être un cube. Donc ça, ça va être le centre. On va en faire 6 de chaque côté, ça va faire 12. Et là, on a un petit T, donc on a 6 de chaque côté. Genre là, ok, j'ai tout ce qui est correspondant du nether qui peut m'aider. La brique, ça va pas m'aider. Ça m'aidera pas. La plante, ça sera peut-être à la fin, on mettra des petites plantes du nether. Je sais pas si on peut mettre des mobs. Vous avez vu? Comment c'est trop stylé? Je suis en train de faire un genre de décor en netherrack. Par contre, faut que je fasse attention à pas que ça déborde de l'autre côté. Parce que si jamais ça déborde là, du côté de quelqu'un, bah il va le voir en fait. On va essayer de faire quelque chose d'assez stylé. Je sais vraiment pas par quoi on part. On va faire confiance à mon instinct. Ok, attention à bien faire ça. Droit. Là, je vais faire 1, 2, 1, 2, 3. Je suis en train de faire un truc. C'est plutôt pas mal, les gars. Franchement, je suis content. Hein. Donc là, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que je vais pouvoir, je pense, dans la logique, faire quelque chose de sympa. Donc là, les gars, on a la base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va très rapidement remplir tout ça, histoire d'avoir une vraie structure de base. Je trouve que le béton blanc est très beau, c'est un cube à l'époque pour ceux qui jouaient à très longtemps qu'on n'avait pas sur Minecraft, on devait prendre les blocs de laine à l'époque. Ok, moi je pense que ça commence à ressembler à quelque chose alors qu'il n'y a que des bases, il n'y a que la fondation qui est présente. On va faire élever tout ça une certaine hauteur, ensuite on verra les détails après. Je sais pas combien de temps on a en fait, j'ai oublié. Regardez, ici je vais casser, je vais faire clac jusqu'à ici à peu près. Et si je fais slash slash 7 netherrack, ok. Pas du tout. Moi je pense vraiment pouvoir gagner. En vrai, quand il s'agit de reconstruire des trucs, je suis assez bon. Juste là, j'ai peur, c'est un peu au niveau du temps. Pas vous mytho. Alors, le gas, du coup, il est un peu plus haut. Donc ça veut dire qu'en hauteur, on va pas faire 6. On va faire un peu plus. Ça va être bien peut-être de mettre un bloc de quartz ici, non? Non, on va mettre du sculpté sur les bords. Ok les gars, je le fais petit à petit parce que vous voyez que c'est un peu compliqué. Commence à avoir de la gueule là. Pousse-toi la poule! Dégage! Dégage! Je monte. Là, le plus dur, les gars, c'est vraiment ce début-là, faire la structure. Après, ce sera que du détail du remplissage. Mais le début est très important, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la structure de base. Donc là, on a la base. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit tout remplir. J'espère, Brice, c'est pas en train d'utiliser des cheats, frère. On le connaît maintenant. Les amis, vous pouvez voir qu'il nous reste 17 minutes. Donc, je vais me dépêcher vite. J'espère qu'il va être beau, hein, parce que là, je suis en train de tout remplir. C'est juste long, c'est pas compliqué pour l'instant. Mais c'est une étape importante. Que la construction soit parfaite au final. Est-ce que là, on ferait pas une ligne droite comme ça pour changer un peu?
Ok, ça fait stylé. Il y a son style. Déjà, le sol est pas plutôt piqué des hannetons. Il va falloir réfléchir ensuite comment je viens un peu peaufiner tout ça. Là, je pense que ça va ressembler à ça. Faire un petit toit, construction du nether. Ensuite, je me dépêche de bien faire l'intérieur pour faire ensuite un bel extérieur et faire des petits détails, jouer sur la décoration. Ça va être important. Hop là, les gars, on a fini le cube. On va maintenant passer aux petits détails. Et pour ce faire, on va avoir besoin de gris. Hop là, du béton. Non, ouais, quoique béton gris. Et du béton gris clair. Hop là, donc maintenant, c'est au niveau des dimensions qu'il va falloir. Ça comme ça, voilà, ok, c'est comme ça que ça doit être fait. Ensuite là, partout. Il y a un style, hein, il y a un vrai style. L'entrée, je pense que l'entrée, on va la faire là. Et là les amis, vous voyez qu'actuellement le problème, c'est que je n'ai pas de maison. J'ai fait les contours, mais il n'y a rien, c'est à peine décoré. Donc là ce qu'on va faire désormais, c'est que je vais importer une maison. Là, on a coupé la poire en deux. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout en bas et je vais commencer par faire la bouche. Et un peu plus haut, genre ici. Là, on va faire les yeux. Non, je crois que les yeux rentrent un peu plus, voilà. Et là ce qu'on va faire, c'est rajouter les petits détails en gris clair. Attendez, je vais voir la couleur. Ouais, en vrai, ça va le faire. J'ai préparé mes petits schématiques. On va load le nether et on va faire slash slash paste. Entrée. Et regardez les amis. Waouh, ma maison vient de se construire. Ok, attendez, je vais juste undo. On va la faire plus vers là et je vais creuser de 1 dans le sol. Comme ça, elle sera parfaitement placée. Voilà. F5. La pine mère qui est en train de tricher là. Ça c'est Brice, ça c'est obligé, c'est Brice. Si c'est Adam Gavessa que c'est pas Brice, il fait un fantôme. Et la vie de ma mère qui l'a triché, Brice. Vous avez vu ce qu'on a fait en littéralement 5 petites minutes? Oh, je pense qu'ils vont péter un plomb quand ils vont voir ça. Ils vont m'insulter de tricheur, frère, c'est sûr. Après, attendez, attendez, c'est pas fini. En vrai, c'est pas trop mal là. On voit un peu que c'est le gasp. Le ghast quand même. Peut-être que le gris est trop foncé. Je sais pas. J'ai enlevé le petit truc qui est au-dessus là. Moi je trouve que c'est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va améliorer les petits côtés. Là maintenant, regardez ce que je vais faire, c'est que je vais placer plein de corail de feu au sol. Vous allez voir, ça va raviver tout ça. Et là, dans l'histoire, vous vous dites, ah merde, ça se transforme en gris. Oh non. De toute façon, je m'en bats les couilles, il gagnera pas, frère. C'est au bout d'un moment, c'est tu. H24 en train de cheater. C'est relou, frère. Genre, le truc c'est que vous voyez jamais construire Brice normalement du coup. Jamais personne connaît son niveau. Il triche tout le temps le gars. Voilà, ils sont de DHM quand même à voir ça aussi. Je fais un truc genre comme ça. Là je fais vraiment pif hein, parce que j'en ai aucune idée. Mais je pense que c'est un truc un peu comme ça. Hein. Voilà. Bon, en vrai son crâne on l'a fait vraiment aléatoirement les gars. Je vais pas vous mentir. Peut-être on va ajouter attendez. Peut-être là, ajouter ça, tac tac. En vrai ça va en vrai. Je trouve que ça fait réaliste. Et là je pense qu'on va aller tout en bas à la diagonale. Ça sera peut-être plus simple. Allez, on va tout en bas à la diagonale. Bon en vrai ça fait un peu le ghast, hein, ça lui ressemble. Peut-être l'arrière maintenant, faut essayer de faire un truc. Et regardez ce que je vais faire maintenant. C'est-à-dire que je vais faire un mélange. On va faire sur une zone de 50, comme ça on est sûr que ça marche. Ça va peut-être impacter les eaux de derrière s'ils ont mis de la netherrack. Oh ! Ah oui, non, faut pas que ça arrive. Hein. On va faire petit à petit alors. On va faire sur une petite zone, ok. On va faire sur une zone de 5. Netherrack, on va la remplacer par bloc, virgule, netherrack aussi. Ok, voilà, parfait. Là, c'est bien. Ok, là, on va mettre de la lumière un peu parce que c'est sombre. On va mettre une torche de redstone, que ça reste dans le thème. On va mettre que de la redstone partout. Et là, faudrait genre une sorte de trône. Comment je peux faire un trône, là? Et voilà, les gars! Là, c'est stylé! Regardez ce qui a été fait! Le boulot! Le boulot! Hop là! En vrai, on a fait la structure principale. Maintenant, ce que je dois faire, c'est ses jambes. Et là, ça va être le plus compliqué. Soit je les fais carrés, là, c'est plus simple. Mais ce serait bien de les faire, vous savez, qui avancent un peu. Et maintenant, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le feu. Et vous allez comprendre, c'est maintenant tout de suite que notre passage secret va commencer à être mis en œuvre. Vous allez vite comprendre. Mais alors, Théo, on a fini ou quoi? Ouais, j'ai fini, hein. Et toi? Pas du tout. Moi non plus. En vrai, je suis pas très loin d'avoir fini. Ah ouais? Ouais, ça va, ça. Ok, moi aussi, hein. Ouais. Un peu là. Non, je te jure, j'ai des petites idées qui viennent, j'essaie d'être créatif au max, tu vois, pas comme certains qui trichent. Qui trichent? Non, t'inquiète, personne. Tu vas me dire des trucs comme ça, hein. Moi ça m'énerve, hein. Moi je deviens colère après. Tu deviens colère? Tu t'énerves? Ah, bébou. Quoi? Tu m'appelles comment? Bon, on n'est pas là pour faire le truc le plus joli du monde. Pourquoi est-ce que je fous le feu partout? Vous allez comprendre. Dans notre très jolie demeure, nous allons construire un petit sous-sol, regardez. On va le mettre en dessous le bar. Et juste ici, les amis, regardez ce que je vais faire. Je vais construire une salle secrète remplie de diamants. Regardez tous les diamants que je vais mettre. Regardez-moi ça. Tous les diamants qu'on va mettre, les amis, c'est incroyable. Hop, le coffre, on va le remplir de toute ma richesse sur Minecraft. Allez, les petites papates là, peut-être les reculer de 1, on va les mettre là. Je sais pas si j'aurai le temps, mais peut-être une ambiance autour. Mais là, vraiment, je pense pas que j'aurai le temps. Après, il y a quelque chose, hein. Oh, c'est pas droit. Quoi, c'est pas droit? Elle est pas droite? Le truc est pas droit là? Ah, c'est juste ça que je dois laisser en terre. Ah non, sinon je fais ça. C'est bon. Voilà, là c'est droit. Comment va fonctionner le passage secret? On va d'abord ici faire une petite commande qui va me permettre de me procurer les passages secrets en question. Regardez, j'ai reçu dans mon inventaire des petits œufs. Vous voyez qu'ici, il y a un œuf qui s'appelle Fireplace Door. Ça veut dire feu. Maintenant, ici, il y a du feu. Vous comprenez pas pourquoi? Eh bien, regardez, je vais juste ici
fermé. Et par exemple, juste là, donc vous voyez, juste à côté de la maison, j'en ai posé un deuxième. Si jamais je me mets juste ici, sur ce feu de camp, juste là, et que je regarde, vous voyez, le bloc ici est illuminé, et que j'accroupis, regardez, ça me téléporte. Et je peux faire le chemin retour, mais il faut que je regarde le bloc. C'est-à-dire que si je me mets là et que j'accroupis, ça marche pas. Par contre, si jamais je regarde dans la direction du bloc, voilà, là, ça m'a téléporté. Maintenant que j'ai fait un peu l'intérieur, je pense qu'il faut vraiment pas s'arrêter là. L'aristone, c'est rouge, faut rester un petit peu dans tout ce qui est rouge, et j'ai envie de mettre des vitres. On va mettre du verre rouge. J'ai envie de tester du verre rouge, voir ce que ça peut faire. Comme un peu dans une église, genre. Ouais, y a un truc là. Ouais, ça fait ambiance manoir un peu. Ok, faut continuer à peaufiner, les gars. Faut continuer à peaufiner, à trouver des petits trucs à rajouter à droite, à gauche. À la gauche, ça fait comme si c'était un petit côté d'enchante, tu vois. Ok, on a trouvé nos petits coins à gauche à décorer. À droite, je peux le faire comment? Hop, on va faire ça en speedos, faire ça le plus naturellement possible aussi. Juste un truc, vous savez, qui part vraiment très bien, qui monte naturellement vers le haut. Genre là, on va remplir tout ça, là. On va juste élargir un peu ici, ça reste une montagne. Ok, les gars, le temps est écoulé. J'espère que vous avez eu le temps de finir vos constructions et que vous avez lâché vos claviers et souris. Bien sûr. Ah, j'ai les mains en l'air, là. Ah, les mains en l'air, là? Ouais. En l'air ou... Que pour les petits? Les gars, venez en haut, s'il vous plaît, venez en haut, s'il vous plaît. Essayez de ne pas vous spoiler, de regarder à hauteur de tête quand vous êtes en haut. On arrive. Ok, moi, c'est bon, c'est fini. Bon, les gars, du coup, vous êtes content quand même, vous êtes satisfait, vous avez eu le temps de faire ce que vous voulez? Ça va, franchement ça va. Alors, je voulais rien, j'ai juste fonctionné à l'instinct. Ok, ça roule très bien. Bah moi ce que je propose c'est qu'on commence par DHM. Right, moi c'est... voilà. Oh, pas mal. Ah ouais, ça utilise des modèles et tout, ça rien ne sort de son cerveau quoi. Bah frérot, c'est un cube. Franchement, et DHM, même si t'as regardé un modèle sur internet à côté, et ben c'est pas grave, il y a le droit, ok. Là j'ai pas eu le temps, je voulais mettre de la lave et tout, mais j'ai pas eu le temps. Ah ouais, mais t'aurais pu utiliser World Edit, tu veux? Je ne sais pas utiliser World Edit. Oui, bah oui. Moi perso, j'ai utilisé moi perso. Ah ouais, bah ouf. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non mais ok. Comme par hasard quoi. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, Théo? Bah moi, franchement, le gaz de DHM, je le trouve très joli. Ça va, ça va. Ça manque peut-être un peu de texture et donc... Bah ça va. On dirait un petit peu un caca, c'est un peu caca. Et j'ai pas eu le temps, c'était le décor qui était en train d'être fait. Ouais, j'avoue qu'on dirait que c'est sa chiasse. Là, elle est une diarrhée là maintenant. Non mais franchement, une bande HM, moi j'aime beaucoup de la construction, frérot, je lui donne 7,5 sur 10. Sur 10, je lui mets un bon 4. Quoi? Parce que on a une heure pour faire un cube. On a pas eu une heure, on a eu 20 minutes. Mais non, tu sais quoi, je suis gentil, aujourd'hui je mets un 8. Ok, on passe à la construction de Théo qui est juste derrière le bleu. Ok, c'est parti. C'est quoi ça? Comment ça c'est quoi? Eh, regarde regarde en hauteur, tu regardes depuis la hauteur. C'est une tub. Quoi? Ah non, c'est un cœur. Oui, c'est un cœur. C'est un cœur, frère. Ok, bon bah ça va alors. Oh, mais en vrai mec, c'est pas mal hein, ce que t'as fait Théo, j'aime bien. Hein. L'entrée elle est pas ici? Non, l'entrée est de l'autre côté. Oh. Pas mal. Attention dans le souterrain, à pas se cogner la tête. Ah ouais, parce que je suis un peu trop grand. Oh. Très sympa. J'ai utilisé beaucoup de quartz. Quartz qu'on trouve dans le Nether. Voilà. Après, si tu peux me permettre, l'Ender Dragon c'est pas dans le Nether quoi, mais voilà, c'est qu'un détail. Oui, mais putain, mais t'as... frère. Eh hey, Théo, moi, frérot, je te mets un bon 9 sur 10, frérot. Ah, merci, merci, bébou. Frère, regarde la forme du truc. Bah, c'est un cœur. Moi, en vrai, je mets 7,5. 7,5. Parce que pour moi, c'est pas un cœur, en fait. Voilà. Bah, pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est un... Les gars, c'est parti, on y va pour le mien. Ok, let's go. Ok, voilà. Bon, allez, va te faire... C'est une... Mec, viens, viens. Oh, c'est moche. Comment ça c'est moche? C'est moche de ouf. Mais tu rigoles ou quoi? Eh, la maison frère, j'ai eu trop de la chatte, ça s'est fini genre 30 secondes avant la fin. Ouah, c'est beau, en vrai c'est beau hein. En vrai c'est stylé, les coffres et tout. On fait comment pour monter à l'étage Brice? Bah en fait y a pas des... Enfin en fait j'ai fait un étage mais elle est inaccessible en fait. Ah bah c'est cool, ah bah ok, des points en moins, ça c'est à noter. Et les petites boules à côté, c'est juste du décor, y a des trucs dedans. C'est pour délimiter, c'est pour que ça fasse plus joli, tu sais, genre en mode au lieu que ça fasse le décor du build battle, tu vois. Ok, donc tu as fait une maison style Nether, il y a le portail du Nether qui est là. Est-ce qu'il mène vraiment dans le Nether? Il mène vraiment dans le Nether. Oh non, je suis coincé. Oh, vous êtes dégueulement, vous êtes tous venus. Et voilà, nouvelle aventure les gars, let's go. Restez 24 heures dans le Nether. Du coup voilà les gars, honnêtement je sais pas si vous avez des questions. Alors je vous dis quand même, j'ai utilisé World Edit pour faire le terrain, après la maison c'est moi hein. Oui, la maison c'est toi, bien sûr. Après il a plus de niveau que nous sur Minecraft. Oh non, Adam, en 20 minutes c'est pas possible de faire ça. Les gars, moi je demande une note, pas d'avis là, honnêtement Ah, tu demandes une note? Ouais. Ok, 1. Ouais non, t'abuses, faut être honnête. Bah ouais, t'as triché. Je mets un bon 9 moi. Ah merci DHM, voilà. T'es vraiment un suceur toi, Sin. Il a triché frère. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on fait un beat battle, obligatoirement je triche? Et l'autre il te met 9 frère. Mais frère, bien sûr que oui. Les gars, chut, regardez. Tu parles à qui, Brice? Brice, ça va?
Merde. Rien, les gars, rien. Donc DHM, tu me donnes un 9 sur 10. Ok, et Théo, combien du coup, une note sincère? 2. T'es sérieux? Je t'ai mis un plus 1 pour l'effort. Non, mais t'abuses. Toi, t'es un suceur, frère. Mais non, mais c'est vrai, non, mais c'est joli. Il triche, il te dit rien. Mais je triche pas. Écoute-moi, Brice, tu construis normalement à quelque chose qui est fait en 20 minutes de ta propre main. Et là, peut-être, je te noterai bien. Ok, bah, prochain round, c'est ce que je ferai alors. Mais mec, tu verras, il y a aucun souci avec ça. Ok. Bon, bah, du coup, on va passer au prochain round, les amis. Je vous propose qu'on aille au-dessus pour voir c'est quoi le prochain thème. Ah, c'est quoi le prochain thème, Brice? Ah, y a un bug, y a pas de papier là. Ok, les gars, le prochain niveau sera. Oh, château. Ah, un château. Bon, les gars, du coup, on a 20 minutes à partir de maintenant pour commencer le château. Bon courage, les gars. Let's go, on y va. Allez, les gars, let's go. Allez, let's go. Par contre, un château, c'est vraiment compliqué. Ok, j'ai peut-être une idée de ce que je peux faire en extérieur, les gars. Mais j'ai pas d'idée sur la structure de mon château. Donc, c'est simple, je vais pas réfléchir. J'ai des petites idées de décor qui me viennent en tête qui peuvent être vraiment pas mal, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un truc carré simple, hein. Et on améliorera ensuite vraiment le classique du classique. Avec une muraille avec, je pense, ça peut être bien. Ok, les amis, du coup, on est parti pour construire un château. Alors moi les amis, je vous avoue, le round d'avant, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai dû faire quelques efforts quand même pour construire le décor. Mais là, j'ai pas trop envie. Donc du coup, je vais invoquer mon petit pouvoir spécial. Ok, bon, on va faire déjà ce qu'on a là. Sauf que ça, c'est pas assez. Tain, un château. On peut mettre du bois, hein. Le château peut être fait avec du bois. Il me faut du bois, en fait. Il me faut, je pense, plusieurs nuances de bois. Non, pas plusieurs nuances de gris. On va peut-être... Non, on va pas le faire plus haut parce que sinon, ça va être impossible à suivre après. Là, on va continuer. Ah, ça va être long, un château, les gars. Peut-être faire une sorte d'entrée. On va la faire après. Il me faut... je vais mettre des chevaux. Parce que château, on a une époque médiévale. Qui dit médiéval, dit chevaux. Là, j'égalise avec la tour, les gars. On va la mettre à la même hauteur. Comme ça. Bon, maintenant, là où ça va être dur, c'est qu'il faut... Et long, c'est qu'il faut faire ça de chaque côté. Tu sais, pour faire un petit carré comme un vrai château, quoi. Putain, gravier, c'est important. C'est ce qui va faire... c'est ce qui va construire un chemin, tu vois. Ok, on va faire comme si ça, c'était l'entrée du château. Déjà, à l'entrée d'un château, les gars, il y a de l'eau. Tout autour du château, ça doit être de la water. Pour éviter qu'on se fasse attaquer facilement. Qui dit château dit jardin également va... Je sais pas si j'aurai le temps, j'ai envie de pleurer. Ok, on va dire que ça va commencer comme ça. Du coup les amis, il va falloir juste que je recule un petit peu pour tester, parce que malheureusement je pense que ça va faire bugger le serveur là, ce qui va se passer, ce que je vais faire spawn. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai besoin de prendre mes distances les gars. Hop là. Donc là on va faire la petite tour en plus. Enfin, il nous reste combien de temps? Moi j'espère que ça va niveau timing, j'essaie d'aller au plus vite. En plus c'est long de début parce que c'est à peu près la même chose. C'est juste répétitif quoi. Ok les gars, il y a beaucoup de concentration parce que je pense vraiment que je peux faire quelque chose de vraiment pas trop mal. Je sais pas pourquoi, je me sens... Je suis pas inspiré. Honnêtement, je réfléchis pas à ce que je fais. C'est je fais et on verra genre. Je pense qu'on peut jouer avec la brique. Il y avait de la brique hein, à l'époque. Hein. Ce n'est pas anodin. Allez, on va le coller. Et regardez bien. Wow. Ok, donc déjà, il se tourne comme ça. Donc, il faut que je le tourne. Je le rotate à 90 degrés. Donc, on va undo, les amis. On va faire slash rotate 90. On va coller. Et là, maintenant, ça colle en face de moi. Et bah voilà, c'est parfait. Ça comme ça, tac, tac. L'entrée. C'est toi si je vais pas tricher, les gars. Je vais pas aller voir ce que font les copains. On s'en fout. Moi, j'ai confiance en moi. Terre labourée. Putain, ça peut être bien. Ça faisait très longtemps que j'ai pas fait des builds de Minecraft. En vrai, ça fait du bien. Même si je suis KO technique. Après, c'est comme tout à l'heure. Hein. C'est une fois qu'on a la structure, ensuite, c'est de la déco. C'est du tranquille. Les gars, j'ai un problème. Ma construction, elle est trop grande. Regardez la taille qu'elle fait. C'est trop grand. Ça rentrera jamais ici. Bon, écoutez, on la mettra hors catégorie. Hein, mais Théo, il va rager. Hein. Théo, il va péter un plan quand il va voir ça. Mais Théo, faut pas m'en vouloir. En fait, c'est juste que, bah, en fait, des fois, j'ai bien construit des petits trucs secrets. On va dire ça, c'est l'allée. Sur un château, faut que ça soit des grandes vitres, je pense. Hein. Parce que s'il n'y a pas ce pierre en mousse en dalle, frère. Hop là, bon, on a un peu galéré, mais au final, c'est carré. Bon, j'avoue, la base comme ça, elle est pas très jolie. Maintenant, mon job, ça va être de rendre tout ça un peu plus joli. Les amis, il reste 10 minutes avant la fin des dégâts de la construction. Donc, j'ai traîné de ouf là pour faire spawn ça et l'amener au bon endroit. Mais il va falloir que je complète ces petits trous. Je sais pas pourquoi. Là, il y a des trous. Et puis ensuite, que je construise la pièce secrète. Il faut vraiment que je fasse très très vite. Il me reste pas beaucoup de temps. Mettre du bois, je pense, ça peut être bien. On teste un truc, hein. On va voir si c'est bien ou pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des dalles tout autour. En vrai, ça va, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, c'est pas le plus beau château de Minecraft. Peut-être mettre un petit drapeau au-dessus après. Alors moi, les amis, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire une petite visite guidée de mon magnifique château, ma magnifique demeure à 8 milliards d'euros. C'est parti. Et pendant qu'on va la visiter, on va essayer de trouver un endroit pour construire le passage secret. Alors, comme vous pouvez voir, bienvenue dans la cour extérieure avec nos petits chars qui sont prêts à partir avec nos petits chevaux. Là, un deuxième char avec les petites barrières pour tracter les
des chevaux. One eternity later. Et à l'intérieur de la maison, nous allons pouvoir retrouver nos lits douillets. Bon, il faudra refaire le sol, puisque là, c'est dégueulasse. Ok, est-ce que je peux pas jouer un peu avec ça, là? Moche de fou. Non, les gars, en vrai, hors blague, là, il faut vraiment que je me grouille à trouver un endroit pour faire le passage secret. Et là, en vrai, j'ai fait le malin parce que j'ai apporté un truc déjà tout fait. Mais là, les gars, je suis foutu. Je suis foutu. Regardez, là, je peux le faire nulle part, frère. Si, à la limite, là où je pourrais le faire... Là où je pourrais le faire, il faudrait que je descende. On va essayer de faire un truc. En vrai, ça va. Je m'attendais à pire. On va mettre ça comme ça. En vrai, il y a un petit truc quand même, non? Vous trouvez pas? On va peut-être mettre une porte ici. Tadam! Je vais faire un petit clic droit ici. Et regardez, ça a mis un mur en brique. Et là, dans ma main, j'ai la baguette magique, la Magic Wand. Et jamais je fais clic droit, regardez. C'est trop stylé, regardez-moi ça. C'est incroyablissime, je sais. Et là, je peux passer. Maintenant, il faut que je trouve un endroit où je peux placer ce mur-là. Sauf que là, tout autour, c'est pas le bon type de pierre. Du coup, il faut que je me grouille à essayer de faire de la largeur, de l'épaisseur sur ces murs pour pouvoir faire une pièce secrète à l'intérieur. Là, il faut un devant. Qu'est-ce que je peux mettre là? Ça me paraît plus logique, hein. Si vous voulez faire, c'est ça. On va mettre quoi? On va mettre des petites tulipes et on va mettre des tulipes comme ça, là. On va mettre du bois ici et on va faire la petite fermeture comme les vrais châteaux. Voilà. En vrai, les gars, on n'y voit que du feu. Je vous avoue. Du coup, ça ouvre. Et là, clac, on peut accéder à l'intérieur. Et juste ici, on va mettre tout mon fucking diamant, les gars. Je suis riche, les gars. Il faut bien que je le protège, mon diamant, quand même. Le sol croit pas. Je vais aussi le faire en diamant, mon gars. Et juste ici, les gars, on va mettre le petit coffre avec à l'intérieur tous les fucking diamants. Wouhou! Regardez-moi ça, le résultat final. Oh là 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 là, c'est trop stylé. Ok, 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 nickel. Faut juste pas que ça bouge et on est tout bon, les gars. Allez, on continue. On va faire le tour. On le fait partout et c'est carré. Oh, y'a un truc là. Après, si j'arrive que à faire l'entrée, c'est déjà pas mal en soi. Les amis, c'est terminé. Allez, on va tout en haut, s'il vous plaît, mesdames et moustiers. Mesdames et moustiques. En vrai, j'ai fait un truc plutôt correct. Après, je pensais pas tout le truc, mais ça. Ok, ok, bah écoute, frérot, moi j'attends de voir. Bon, cette fois-ci, on va pas commencer par la construction de DHM. Nous allons commencer par la construction de Théo. Allez, let's go. Let's go, on y va. Faut tomber, faut aller là. C'est quoi ça? Arrêtez de rigoler, allez devant et regardez comment c'est stylé. Il a dit quoi? Il a dit je crois que j'ai des talents de builder. Vous allez voir les gars comment j'ai tellement step up. Non, en vrai, non, attends, non, attends, je rigole, mais en vrai, je suis un bâtard. En vrai, de vrai, t'es... Alors, le pattern, pas d'egg. Par contre, j'ai l'impression que t'as vraiment essayé de faire une tub encore, frère. Mais n'importe quoi! La maison, elle est en forme de tub. La fenêtre en haut, elle est en forme de tub. Tu t'es en forme de tub, frère, chez toi, c'est une dinguerie. Attends, tu sais que le pire, si j'avais pas vu, mais t'as rien sorti. Non, t'as pas fait exprès? Non! Et du coup, à l'intérieur du château, qu'est-ce qu'il y a? Alors, en fait, voilà, c'est-à-dire que j'ai que l'entrée du château. Mais ensuite, par la suite, dis-toi là, si t'avais un trône, ici, là, là, genre, imagine, t'as un trône, Zama. Et c'est un trône, pas d'un roi, mais d'une reine. Oh, et c'est qui la reine? C'est toi. Sympa. Non, franchement, Théo, je suis dur, mais honnêtement, ta construction, elle est pas si mal. Oh. C'est pas que t'es dur, c'est que c'est bousillé au sous-sol. Oh, t'es un bâtard de HM. Non, Théo, honnêtement, moi je t'ai mis combien? Tout à l'heure, je t'ai mis 9, je crois. Là, je te mets 6. Ok, ouais, c'est bon. Regarde dans l'eau, il y a même des poissons. Si, c'est pas une mauvaise note, hein. Honnêtement, ta construction avant a été masterclass. Vas-y, moi je me mets un 7, moi. Moi je te mets un bon 4, Sergio Ramos, frère. Bon, ça fait une moyenne de 5. On va aller voir la construction de DHM qui est juste ici. Oh. Là, tu reconnais que c'est un château. C'est une prison. Par contre, là, effectivement, il y a moins de détails que la tienne, Théo, mais ça ressemble plus à une prison, c'est vrai. Oh, le fait d'avoir fait les drapeaux avec les têtes d'Under Dragon, ça fait vraiment la forme. C'est pas mal, en vrai. Ça fait château. Ça rattrape le truc, ça fait un peu plus château, ok. Ouais, là, faut être honnête. Honnêtement, DHM, je t'avoue, j'aime beaucoup. Bah, tu vois ça, tu reconnais le château, quoi, avec les petites murailles. Ouais, après, dans l'originalité, bon, c'est le même bois partout. Après, moi, je suis écolo, hein. Honnêtement, DHM, moi, je te mets un bon 8. Bah, ouais, je lui ai amélioré sa maison, frère. Évidemment que je vais le mettre 8. J'ai préféré cette construction à ta construction d'avant DHM, tu vois. Bon, tu lui as une note, Théo? Une petite note, Théo? Il a mis 4, je lui mets 3. Non, mais frère, c'est pas une vraie note. Oh, t'es dur, Théo, hein. Ah, je lui mets 4 aussi, c'est bon, frère. Est-ce que j'aurais fait devant le château, j'aurais fait un truc comme ça? Genre en mode un petit truc comme ça, tu vois. Moi, je sais pas quoi faire. Moi aussi, j'aurais fait ça. Mais c'est cool, Brice. Ça va être trop bien de voir comment t'as triché encore. Mais Théo, arrête de dire que je triche, frère. Bon, vas-y, allez, on va voir le mien. Du coup, DHM, une moyenne du coup de 6 à cause de Théo, malheureusement. Voilà, les gars, ça c'est ma construe. Déjà, t'as dépassé au niveau des lignes. Mais pas du tout, frérot. Donc, déjà, c'est-à-dire que la deuxième partie de ton château, on la prend même pas en compte. Là où il y a le château. Mais. Donc, on va prendre que une partie du château. Les gars, je me suis fait chier. Ça fait une demi-heure. Je construis un château là pour vous et vous me dites que c'est nul. Mais tu l'as construit avec tes mains, bien sûr, Brisson de Croix. Je connais World Edit, c'est tout, frérot. Ouais, bien sûr, c'est sûrement ça. Quoi ça? Ah, Théo, viens voir. C'est quoi ce mur bizarre là, de Golemon, frère? Mais je sais pas, mais on s'en fout. Wesh.
Hein? Non, non, non. Attends, il y a quoi, il y a quoi? Il y a un coffre, une salle secrète avec un coffre? Des mecs. Oh! Non, 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 non! Volez pas mon diamant! Tout ce que j'ai sur moi. Par contre, frérot, moi j'accepte pas la triche du tout. Mais comment ça? Mais de quelle triche tu parles, DHM? Allez, Adam, tu sais quoi faire? Mais non! Non! Vous êtes sérieux? C'est ciao, Brice. C'est ciao, frérot! Oh, vous êtes vraiment des bâtards. Vas-y, c'est bon. Ah là, ma construction, génial, super. Tu respectes pas les limites, nous aussi on les respecte pas, mon gars. Une petite note. Ok, maintenant, on peut noter. Maintenant, je trouve, Adam, t'en penses quoi? Alors, moi, je pense que le thème, c'était château, et non pas ruine de château. Je te mets la hache. Après, tu vois, j'aurais bien aimé voir un vrai château. Oh, DHM, arrête de mettre une... Pourquoi t'as mis une TNT? Oh non, putain, non. Je suis obligé de t'enlever un point, je voulais te mettre deux, mais je te mets un maintenant. Bon, vas-y, c'est bon, la moyenne s'affiche à l'écran de ma construction. Dites dans les commentaires, à votre avis, qui est-ce qui aurait vraiment dû gagner ce build battle? Merci, les gars, d'être venus pour tout détruire. Bon, ok, j'avoue, j'ai triché. Ok, j'avoue, j'ai triché. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Bon, merci DHM, merci Théo d'avoir participé à cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Les chaînes de Théo et de DHM sont en description. À la prochaine, c'était Brice. Ciao, les gars.